comment vous traversez cette, à titre personnel, comment vous traversez cette période délicate en termes de résultats? Merci. J'ai mis de l'anticerne pour paraître un peu mieux. Évidemment, quand vous êtes l'entraîneur du Paris Saint-Germain, que vous perdez deux matchs consécutifs, évidemment que c'est une situation difficile, encore plus quand ce sont des rendez-vous contre des équipes qui sont des concurrentes, encore plus quand c'est une élimination en Coupe de France à Marseille. Ça fait partie d'une saison. Je suis évidemment dans la réflexion, mais aussi dans l'action. Je reste très connecté avec mes joueurs, avec mon groupe. Je suis dans la préparation du match. Je fais en sorte de trouver la meilleure organisation, trouver les meilleures associations possibles pour que demain on soit performant. Après, ce qui me concerne, je mets complètement de côté toute la pression qu'il peut y avoir sur moi, tout ce que l'on peut dire sur moi. Et je respecte tout ce qui est dit, c'est ça. Le plus important, c'est ce qui se passe dans notre vestiaire et les échanges que je peux avoir avec mes joueurs et surtout la manière dont on prépare ce rendez-vous. Avec vous, Bertrand, il y a toujours un petit brin d'humour dans vos questions que j'apprécie énormément. Concernant Kylian s'est entraîné hier de manière individuelle, mais tout le monde le sait. Il s'est entraîné de manière collective aujourd'hui, tout le monde le sait. Il a fait la totalité de la séance. Je ne pensais pas que Kylian allait s'entraîner hier de manière individuelle. Suite aux échanges que nous avons eus avec notre cellule performance, notre docteur, avec ma direction sportive, nous avons pris la décision que Kylian, à partir du moment où il se sentait bien, puisse participer à l'entraînement aujourd'hui. Il s'est bien entraîné. Son retour post-entraînement est très positif. Mais quant à savoir s'il sera sur la feuille de match demain, ce n'est pas encore sûr. On fera le point, évidemment, avec demain matin, quand on va se retrouver. Et les premières questions seront posées à Kylian sur son ressenti. Comment il peut se projeter dans ce match? Évidemment qu'il y aura une discussion ensemble aussi avec mon staff médical qui a fait un travail très important, mais Kylian a fait un travail énorme pour pouvoir se donner les meilleures chances possibles, avoir le plus de chances possibles d'être disponible. Mais à l'heure où je vous parle, je ne sais pas si Kylian sera sur la feuille de match. Je suis obligé d'attendre demain matin de savoir son ressenti. Est-ce que Kylian sera sur le banc de touche pour faire peur à nos adversaires du soir ? Au Bayern de Munich. Donc, s'il est sur la feuille de match, il sera sur la feuille de match pour jouer. Combien de temps, je ne le sais pas. Mais il ne fera pas acte de présence sur le banc de touche, ça c'est sûr. Est-ce que vous considérez que c'est le Bayern qui est le favori de ce match? Non. C'est du 50-50. Évidemment que si on analyse toutes les résultats et les stats, on peut. Mais. C'est un match de Champions League. Ce club, mes joueurs ont l'habitude de ces rendez-vous-là. Ça sera un match. Déjà, à l'issue du match, il n'y aura pas de qualifiés. Il n'y aura pas de qualifiés, ça c'est sûr. Mais ça sera du 50-50, même si on sait que le Bayern a eu une petite période un peu difficile post-Coupe du Monde, mais que depuis, évidemment, ils se sont rendus performants. Nous, ce n'est pas le cas actuellement pour différentes raisons, mais j'ai un effectif à ma disposition demain beaucoup plus complet que les matchs précédents. On a le sentiment que depuis quelques journées, depuis quelques semaines, certains joueurs sont agacés, sont frustrés, notamment Neymar par exemple sur le terrain. Est-ce que c'est dur de contenir leur frustration, de les apaiser? Est-ce que c'est aussi un enjeu du match de demain, d'avoir des joueurs calmes, apaisés? Évidemment qu'il faut, quand on est dans ces grands rendez-vous et quand on est dans notre période, il faut du calme, de la sérénité. Parce que si vous êtes énervé, excité, déjà vous dépensez de l'énergie pour rien. Mais quand il y a de la frustration, il faut que ça sorte. C'est de cette manière-là que je dirige, que je manage mes joueurs depuis des années. Ce sont eux des joueurs totalement différents, mais ce sont aussi des garçons, des hommes qui ont besoin d'évacuer toute la frustration qu'ils peuvent avoir. Donc, à un certain moment, il faut que ça sorte. Il faut les écouter, mais il faut aussi qu'ils m'écoutent. Et évidemment qu'il y a de la déception, de la frustration qui engendre de la colère après nos deux défaites.
Voilà, on a échangé, j'ai bien écouté. J'ose espérer qu'ils m'ont bien écouté. Mais le plus important, c'est qu'ils puissent évacuer toute cette frustration, ça c'est sûr. Quant à savoir si je vais le battre tactiquement, c'est jamais ça un match. Les acteurs, ce sont les joueurs. Il y a la préparation. Je pense, et je pense que Ney peut le confirmer, on s'est préparé. On a travaillé. Demain, on va affiner. Dans différents briefings, on va affiner. Mais après, il y a la vérité du match. Et c'est sur le terrain. Et c'est mes joueurs. Après, on verra l'histoire du match et l'évolution du résultat et les circonstances du match qui vont faire qu'il y aura automatiquement des changements. Mais je ne suis pas dans la préparation de ce match-là en disant c'est mon homologue allemand contre moi. Non, pas du tout. C'est le Paris Saint-Germain contre le Bayern avec la qualité de mes joueurs. Je voulais te demander quelle était ta position sur la petite scène de fin de match à Monaco. Fallait-il aller parler aux supporters pour être bien sûr de les avoir demain dans votre camp? Est-ce que tu comprends que certains n'aient pas eu envie d'y aller? Je voulais connaître ta position, s'il te plaît. C'est toujours difficile. Il y a le ressenti, déjà évidemment que je comprends, on comprend tous la déception, la frustration qui engendre de la colère de la part de nos supporters, qui ont fait un long déplacement et qui ont assisté à un match vraiment très difficile pour nous. Je suis sûr que demain, ils vont répondre présents. Le Parc des Princes a toujours, dans ses grands rendez-vous de Champions League, répondu présent et ça va résonner fort. Ils vont nous encourager jusqu'au bout, 96, 97, 98 minutes. Ensuite, sur ce qui se passe à la fin du match, j'ai moi sur un plan personnel, je leur ai fait un signe. Après, c'est au ressenti des uns et des autres. Il y en a certains qui y sont allés, d'autres qui sont rentrés, les joueurs. Mais je crois qu'il faut juger personne. Parce que autant il peut y avoir de la frustration, de la colère chez nos supporters, je comprends cela. Mais tout le monde doit aussi comprendre que mes joueurs, à la sortie du match contre Monaco, il y avait aussi de la frustration et de la colère. Donc certains sont allés en direction, et je suis allé en direction des supporters. Certains y sont allés, ont été accueillis de la manière dont ils ont été accueillis, d'autres ont préféré rentrer, c'est comme ça. Avec l'enchaînement des matchs, avec les absences de certains joueurs, il y a eu très peu de rotation, et il a fallu trouver, du moins j'ai cherché, et j'ai mis des joueurs dans des configurations ou dans des zones de jeu dont ils n'avaient pas l'habitude. La première des choses, c'est que eux, je les respecte parce qu'ils ont accepté. Est-ce que ça a été une réussite? Pas spécialement. Mais demain, Vitinha ne sera pas numéro 10. Voilà.